Bonjour, dans cette quatrième partie, nous allons tracer un autre tableau identique au premier et nous allons insérer six pastilles de couleurs différentes. Alors, avant tout, nous allons insérer une couche, parce qu'ici vous avez trois couches, la couche mise en page, contrôle, ligne de code. On effectue un clic droit et on fait insérer une couche. Cette couche, nous allons l'intituler auto-correction. Pourquoi? Parce que on veut que cette couche soit au choix, soit visible, soit imprimable, parce que on veut avoir la possibilité d'imprimer les couches, donc avec la version imprimable ou pas. Donc plutôt que de l'enlever, il suffira de décocher « Visible » pour cacher cette partie-là. On clique sur « OK ». Donc ce tableau, je le prends, je le copie et je vais le coller à cet endroit. Donc vous voyez, je vais maintenant le déplacer quand la petite main apparaît, comme ceci. Voilà. Je vais effacer le contenu, je le sélectionne les trois cellules, je fais supre. On a désormais ici notre tableau dans lequel nous allons insérer des pastilles de couleurs. Donc je prends ici la forme ellipse, je vais tracer ici en dehors du tableau avec la touche majuscule enfoncée de façon à garder les dimensions. Comme ceci. Donc au niveau de la couleur, on garde la couleur bleue pour l'instant. Au niveau des dimensions, vous voyez que je suis à 1,40 et 1,40. Donc je vais les modifier en utilisant ici 1,5 et ici 1,5. On peut également cocher conserver le ratio. Donc ensuite, je vais positionner ici ma première pastille dans le tableau. Il ne me reste plus qu'à dupliquer cette pastille 5 fois de façon à reproduire la pastille ici. Donc édition, dupliquer. On a dit qu'on allait la dupliquer 5 fois. Selon l'axe vertical des Y, donc on a dit, comme elle faisait 1,5, on va prendre par exemple 2. De façon à avoir un décalage de 1,5 cm. On clique sur OK. Voilà. Donc vous voyez qu'il ne reste plus qu'à les positionner comme ceci, la désigner, voilà. Ensuite, on va la recentrer comme ceci, pareil. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite, si on veut les aligner, eh bien on va utiliser la touche flèche, comme ceci, vous voyez, je vais les sélectionner, clic droit, et nous allons faire aligner centré, comme ceci. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à, alors ici, je vais la descendre en utilisant les touches Alt et la flèche qui descend, parce que vous voyez que c'est celle-ci, pareil, je vais la remonter légèrement, voilà, de façon à ce qu'elle soit centrée à peu près dans le tableau. Ensuite, je vais utiliser chaque pastille et je vais donner un code de couleur. Attention, le code de couleur devra correspondre ensuite aux quantités. Donc, par exemple, ici, j'utilise la couleur, par exemple, du jaune. Ça, c'est la couleur de ligne. Donc, il faut également que je modifie la couleur de remplissage en jaune, etc., etc. Revenons maintenant au système de visibilité de la couche. Vous voyez qu'ici, si je fais un clic droit et modifier la couche, eh bien ici, si je décoche cette case, je vais rendre cette couche invisible. Je fais OK. Et vous voyez qu'on a désormais la possibilité d'imprimer ici la carte à pince sans l'autocorrection. Donc vous aurez le choix
soit de faire des fiches autocorrectives ou pas, simplement en modifiant cette couche. Vous voyez, je recoche. OK. Je vous laisse le soin de mettre les couleurs ici sur les pastilles, de dupliquer également le tableau pour le reproduire ici. À bientôt pour un autre tuto.